Salut, c'est moi, et dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous parler des jumeaux avec un format un peu plus grand. Attends. T'as pas l'impression de te foutre un peu de ma gueule en prenant ma place là? Je m'en fous, j'aime les poneys. Dégage. Les jumeaux, vous en connaissez sûrement, que ce soit dans la vie privée ou alors en tant que célébrité, par exemple ceux-là. Ils sont peut-être moches, mais ils sont très intelligents. Mais quand on a un jumeau, quand même, on vit beaucoup d'injustices que vous ne connaissez pas, c'est très chiant. Bon, sauf pour ceux qui ont un jumeau qui regarde la vidéo, là, du coup, ils savent, hein. Ils seront sûrement d'accord, hein. Ça, c'est... Il n'y a aucun doute. Tout d'abord, il y a la question de « Ah, vous êtes né quand ?» qui peut être dérivée « Vous êtes né où ? Vous avez quel âge hein ?» En soi, c'est pas gênant d'y répondre, mais sauf qu'après, il faut rajouter une petite question qui est... stupide. Mais t'as un jumeau, tu me l'avais pas dit ? T'es né quand ? Le 10 septembre. Et ton frère ? Mais elle est conne ! Mais réfléchissez un peu, bon sang, je sais pas, nous sommes jumeaux, je veux dire, nous sommes nés le même jour, nous avons le même âge, nous sommes nés au même endroit, c'est pas si compliqué. Il n'y a pas 20 minutes. Quoi? Si le premier il est né à 23h59, et que le suivant est né à minuit 1, ils sont pas nés le même jour. Il y a aussi une question qui revient sans cesse, et qui est un peu en fait le sang justement de cette vidéo, c'est la question ultime que tout le monde pose quand on voit les deux mêmes personnes. Vous êtes jumeaux? Comprenez-nous, on subit cette question tout le temps. C'est normal qu'après, on se foute de votre gueule en répondant, quoi. C'est logique. Mon cousin. Mon chien. Waf, waf. Lui? Personne. Mon Pokémon. Pikachu. Je l'ai trouvé, il m'a suivi. Une biatch. Il résulte de l'alliance avec ma grand-mère et ma belle-sœur. Tout ça au troisième des camps avec Mars aligné par Saturne. Pas Vénus. Saturne. Mon jumeau. Non, je déconne. Mais encore cette question, on peut la comprendre, parce que vous voyez pas vraiment le jumeau dans la vraie vie, c'est pas gênant. Mais votre comportement, par contre, là, il laisse un peu à désirer. Par exemple, quand il y a un partage à faire, hein, de gâteau, on va dire, c'est toujours les jumeaux qui se font baiser. Bon, figurez, bien sûr, hein. Faut pas déconner. 1, 2, 3, 4, 8 peurs. Oh, malheur! Il y a 9 enfants. Mais que vois-je? C'est les jumeaux? Vous partagerez bien une part pour vous deux? T'as entendu la dame, on va partager. On va partager. Tu sais, c'est pas parce qu'on est jumeaux que notre estomac s'est séparé en deux, telles deux cellules, monozygote ou zygote, après ça c'est le problème, c'est des idées. Non. Non, mais non, on s'en fout. D'accord. Il y a aussi le coup du « Ah, il est où ton jumeau ?» Tu sais, c'est pas parce que c'est mon jumeau que je lui ai foutu une puce GPS dans le cul pour savoir où il est tout le temps, tous les jours, hein, à n'importe quelle heure. Il faut... Non. Faut pas déconner. Puis pour finir, il y a la phrase. Mais vraiment la phrase. La phrase, c'est généralement que vous dites avec un brin de jalousie alors que vous y connaissez strictement rien du tout. Cette phrase, c'est... Roulement de tambour... Oui, c'est un roulement de tambour, ça. Pardon. J'aurais trop aimé avoir un jumeau. T'as trop de la chance, tu sais. Toi, ça se voit que t'en as pas. Et c'est comme ça qu'on a inventé la théorie de l'addition. Je sais. T'es trop drôle. Là, hein. Mais dis-moi, ouais. C'est qui l'homme là-bas? Là-bas? Mon frère jumeau, pourquoi? Oh, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. T'as vrai? Ouais. Tu sais quoi? Je te le donne. Tu t'as bien de lui, hein. Merci. Bon, en même temps, avoir un jumeau, ça n'a pas que des inconvénients, c'est aussi des avantages, hein. Par exemple, s'il rate son permis, je le passe à sa place, et puis comme ça, il l'a. En même temps, avec ça, un peu, son imagination tordue, pour imaginer que les grand-mères veulent 50 points si on les écrase, puis dans la voiture, là, grand-mère, 50 points, 50 points, 50 points. T'as pas l'impression de te foutre un peu de ma gueule? 50 points, 50... Dégage. Dégage! Minute là. Quoi? Si le premier il est né à minuit 59 et que le suivant il est né une heure plus tôt parce que je me suis trompé. oui. Il était gouré. Toi t'es là? On suit notre vie.
T'as éteint la porte ou t'as pas besoin de... Hey, attends la caméra. Je peux pas la fermer la porte, je l'occupe pas tenir mon trépied. Regarde là-bas. Où ça? J'ai pas mal au bras. J'ai pas pris le texte. Oh merde. Tant que j'ai dit bonjour en fait. J'ai bloqué sur 24, vas-y je vais faire un doigt. J'ai fait un pouce. Moi je peux pas. Tu arrives de lapin là? Non.